Hello, coucou, youhou, aujourd'hui j'ai fait, c'est la célébration. Vous avez peut-être vu que je vous ai envoyé un email, un money chat, j'ai mis plein de posts partout sur tous mes réseaux sociaux parce que voilà ce que je fais. C'est un truc de fou. Parfois, il faut s'arrêter et regarder en arrière et se rendre compte de ce qu'on a fait. Ça, c'est du travail, les gars. Ça, c'est vraiment du travail. C'est du travail. Ouh, il fait du bruit, mon ordinateur, on va l'éteindre. C'est du travail et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est de l'inspiration, de la créativité. C'est une autre vie, ça. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben, je fête aujourd'hui qu'il y a un an, je me suis mis en route pour créer mon tout premier cours en ligne, la Samba Summer School. Et j'ai commencé, donc je suis rentrée dans cet univers d'être une entrepreneuse avec un business en ligne. Je ne sais pas, en anglais ça sonne bien, mais en français je trouve que ça sonne vraiment pas bien. Business online, c'est joli ça, non? Parce que j'avais envie de pouvoir travailler avec plein de femmes partout dans le monde. Déjà, j'adore voyager, je trouve que je ne voyage pas assez, mais en travaillant avec des femmes de partout dans le monde, j'ai l'impression de voyager un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était une envie que j'avais. Et j'avais évidemment, je travaillais avec Sigrun qui, elle, t'apprend comment faire ça. Mais franchement, l'année dernière, quand j'ai créé ma Summer School, elle est quelque part ici. La voilà, tu vois. Je ne savais même pas exactement quel titre donner. Et tu sais, quand tu deviens comme ça créative, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est la magie d'être une femme. Et depuis lors, ce mot magique, ce mot la magie, ça ne m'a plus quittée. C'est très, très drôle. J'ai créé ce cours où il y a plein de femmes qui sont aussi, elles aussi, rentrées dans un truc magique. Mais cette magie, elle est dans ma vie maintenant. On ne peut pas se l'imaginer. Je suis vraiment contente. Et donc, pour partager cette joie, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai encore travaillé. Mais ça, ce sont tous mes cours que j'ai et mes séances. Tu vois ici ça, par exemple. Je ne sais pas si tu le vois à l'envers, ça, l'écrit. Ça, c'est le voyage vers soi, ça s'appelle. C'est une séquence de 4 séances de soins énergétiques, soins chamaniques et soins vibratoires. Et ça a l'art, ça a la puissance de vraiment débloquer les personnes et de leur redonner l'énergie, redonner la lumière, redonner l'espoir. Quand j'ai lancé ça, j'avais juste, tu sais, j'avais une idée, j'avais une vision. Je me dis ça, je pense que ce sera bien. Et je ne me rendais pas compte de la puissance de nouveau de ces séances. Donc ça, magnifique, c'est magnifique. Ça ici, eh ben ça c'est hidden. Donc ça, tu ne le vois pas, voilà. ça, ce n'est pas, je ne le montre pas parce que c'est compris en fait là-dedans. Hein. Oui, il est mon truc. Ce cours-là, il est compris là-dedans. En fait, ça, c'est un cours que j'ai lancé maintenant. Tu l'as peut-être vu aussi la semaine dernière. C'est un package. Et donc, en fait, quand tu rejoins ça, tu as ça inclus, mais en beaucoup mieux parce qu'il y a un bonus en plus. Donc, du coup, je l'ai caché. Ce cours de la confiance à corps et âme et l'art de l'authenticité. L'art de l'authenticité, tu peux le prendre à part en auto-étudiant. Là. Je l'ai mis à part. Et donc, ici, mon cours de danse orientale en ligne, l'initiation à la danse orientale pendant 2 mois, avec ma manière d'enseigner et voilà, comment je vais dire, si tu ne connais pas, je ne sais pas même pas te montrer ça. Si tu vas sur ma page Gudrun Danse sur Facebook et tu me vois comment j'enseigne, j'ai fait un tas de vidéos sur cette page où tu peux un peu voir ma manière de faire. Donc, nous avons ça. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ça ici. Ah, ben, ça, tu ne le vois pas, c'est dommage ça qu'on ne le voit pas mieux. Ça ici, c'est la retraite. Une journée de bonheur. C'est une journée de retraite qui est conçue spécialement pour toutes les femmes qui ont envie de faire un point de reset dans leur vie. Déposer tout, arrêter tout, vraiment se dire, voilà, là maintenant, je me fais du bien, je prends une journée pour moi. Et moi, je prends soin de toi si tu fais une journée de retraite avec moi. Et l'idée est devenue, et tu peux lire là, je trouve que c'est joli ce que j'ai trouvé pour l'affiche. L'idée m'est venue parce que j'ai été à Bali au mois de février,
pas pour faire une retraite. Tu sais, tout le monde va à Bali pour une retraite. Non, moi, je suis allée à Bali pour voir mon fils qui est en Australie. Il était à Bali pendant 10 jours et je ne l'avais plus vu depuis 1 an et demi. J'avais envie de le voir. Donc, moi, nix retraite, nix méditation, rien du tout de tout ça. On a voyagé, on a nagé, on a profité, on a papoté beaucoup, mais je n'ai pas eu du tout même pensé à commencer à méditer ou des choses comme ça de ce genre. Mais quand je suis revenue, de là, je me suis rendu compte que quelque chose à l'intérieur de moi avait été profondément nourri, profondément ému. Il y avait quelque chose qui s'était totalement changé, comme une lumière qui s'était allumée, comme les cellules qui avaient une autre vibration. Ça m'a changé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quand moi, je vais 10 jours quelque part, totalement pas connecté à des bazars comme ça, même pas l'intention de faire quoi que ce soit comme une retraite, même pas, hein, et que ça me transforme à un tel point. Quelle peut être donc la puissance si tu offres à fond une journée entière où tu as l'intention de la personne de se connecter, tu as moi en tant que énergéticienne et coach et chamane qui te donne mon attention à 100% et qu'on va mettre le paquet si tu veux, qu'est-ce que ça donne, tu vois? Et en fait, oui, ça donne quelque chose de totalement magique. Donc, si tu veux faire une retraite, si tu as besoin de ça, si tu as envie de ça, je te recommande ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre de beau? Je crois que j'ai tout dit, donc ça c'est compris là-dedans, mais là-dedans, on a déjà commencé le mois de juillet, c'est déjà trop tard pour la confiance en soi. Là, je te recommande, si tu veux travailler, fais ça c'est tout en auto-éducation, je crois qu'on dit ça en français. Donc, tu reçois des vidéos et tu peux les regarder, tu peux travailler dessus. Ça, ici, c'est en groupe. Et alors, donc, pour le mois de juillet, l'inscription était finie hier. Si tu veux t'inscrire pour le mois d'août, ça c'est le côté business au mois d'août, tu peux le faire, tu peux cliquer là et tu vas avoir toute l'information de ce que c'est. Ça aussi, pour le moment, il n'y a plus de place. Il y avait 2 places pour le mois de juillet pour travailler avec moi sur ton business, en fait, pour te lancer, enfin, tout ce que tu veux travailler, tout ce que j'ai là dans les cours, tu peux venir le travailler en individuel, évidemment, avec moi. Hein. Mais ce package-là, là, il n'y a plus de place. Trop tard. Dommage. Donc, voilà. Alors, moi, je fête. Et comment est-ce que je fête? C'est non seulement aujourd'hui, ça m'a pris une journée entière de tout rassembler, de faire en sorte que tout fonctionne. Techniquement, j'espère en tous les cas. Et ce que je fais comme super cadeau et super initiative de célébration, c'est que tu peux tout avoir à 50%. Ça, voilà, tout avoir à 50%, comme si c'était les soldes. Mais j'avais envie de célébrer ça et j'ai envie de faire un cadeau dans ce sens que tu peux profiter de toutes ces magnifiques choses. Je suis absolument éblouie de me rendre compte de tout ce que j'ai fait pendant cette année, tout ce que j'ai créé, l'inspiration que j'ai reçue. Et ça devient de mieux en mieux. Maintenant, je me fais tellement confiance que mon prochain cours, voilà, je partage mon petit secret. Je suis en train de créer mon prochain cours. Je ne dis pas quoi, mais bien bientôt, tu vas savoir ce que c'est. Et je me fais tellement confiance maintenant que je sais ce que j'ai une idée, j'ai une vision, je sais ce que je veux enseigner. Et je lance le cours et je me fais confiance que le moment même, toute mon expérience, tout ce que j'ai appris, ça va simplement jaillir comme ça, simplement venir au bon moment. Donc voilà, ça c'est la force de l'intuition, ça c'est la force de l'expérience, la force du savoir. Et la force de la bienveillance, la force de la sensibilité qu'on peut avoir, la force de se mettre dans le flow de la vie, de se connecter à tout ce qui nous entoure. Et voilà ce qui en sort. Je suis moi-même absolument touchée par tout ça, parce que je n'ai pas l'impression que c'est moi. J'ai travaillé, oui. Là, parfois, du jour et nuit, j'ai bossé. Je peux te dire les heures que j'ai passées là-dedans. Beaucoup plus que... Hier, mon compagnon me dit, mais tu travailles combien d'heures par semaine? C'est 80... Qu'est-ce qu'il a dit? 100 heures ou quoi? M'arrête, je ne m'arrête pas quand je... Tu sais, quand cette intuition me prend, je ne m'arrête plus.
Et c'est pas m'arrêter, quoi. Il faut que quelqu'un me tire pour aller faire autre chose que d'être en mode créatif. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà, je peux t'amener en voyage si tu le désires. Et aujourd'hui, alors il y a 24 heures. 24 heures, je laisse ça pendant 24 heures avec cette réduction magnifique. Si tu veux faire un de ces cours ou que tu as des questions, tu peux me téléphoner carrément. Tu me contactes et on s'appuie ce téléphone. Je suis encore assez disponible aujourd'hui. Demain, c'est déjà un peu plus dur. Je t'invite à me téléphoner et on en parle. Alors, mon petit bébé préféré, c'est ça. C'est avec ça qu'il y a les plus grandes transformations. C'est ça qui est absolument touchant, de pouvoir donner quelque chose comme ça à une femme qui a besoin de ça. J'aime tous les programmes que j'ai, ça c'est clair, mais je crois que mon préféré, c'est ça. Ça, c'est le plus beau produit que j'ai, en fait, le plus beau. Ouais. Ok, bon, bah, je vais arrêter d'être amoureuse de ma mission de vie de 1 an. Tu t'imagines 1 an? Tu pourrais être là aussi. Parce que si moi, je sais le faire, pourquoi tu ne saurais pas le faire? J'ai tellement de femmes que je contacte qui ont un don. Dommage, quand je suis sur Zoom, en fait, je ne vous vois pas sur Facebook. C'est dommage parce que je ne sais pas si quelqu'un me regarde en réalité, mais je travaille avec des femmes qui savent beaucoup de choses, même plus que moi, tu sais. Elles ont tout. Mais ce qui manque, c'est de dépasser l'obstacle, de se mettre en route et se dire, je m'en fous, si ce n'est pas parfait, je le fais. Et commencer à se faire tellement confiance, et aussi confiance, pas seulement, tu sais, à toi dans le sens que tu as appris, mais vraiment à quelque chose de plus qui te dépasse. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire confiance à ça? Donc voilà, là, c'est mon résultat. Je suis super fière, je suis super contente. Et si je peux te faire plaisir avec ça, ou encore si je peux te faire avancer sur ton chemin, c'est avec un très, très grand plaisir parce que mon bonheur n'a jamais été plus grand que depuis que je me suis mis vraiment en route. Et je le recommande à chaque femme, mets-toi en route. N'importe comment, n'importe quand c'est maintenant, tout de suite, mets-toi en route. Mets-toi en route, fais quelque chose, arrête de réfléchir, prends une décision et fais, et teste, et fais des erreurs. De toute façon, tu vas les faire. Donc, mon mantra, c'est Dieu, fais-moi faire mes erreurs le plus vite possible. Comme ça, c'est fait. Ok, j'arrête d'être une pipelette ici, mais je suis tellement contente. Donc, j'espère que le lien, je l'ai partagé. J'espère que vous en profitez parce que c'est vraiment une richesse que j'offre ici à pouvoir travailler avec moi de ces différentes manières. Et si tu ne sais pas par où commencer ou qu'est-ce qui est pour toi, alors téléphone-moi. Je suis ici en stand-by et je me réjouis de parler avec toi. Et j'espère que tu vas profiter de cela. Et en fait, ensemble, on va faire, en fait, ensemble, célébrer. Parce que tu sais quoi? Moi, quand j'ai rejoint Zomba, donc le programme de ma business coach, j'ai célébré. Je ne savais pas que j'allais faire tout ça. Je ne savais pas que j'allais avoir toutes ces magnifiques femmes. Je ne savais pas l'impact que j'allais avoir dans leur vie. Mais j'ai célébré quand même parce que je me suis célébrée moi, que je me suis engagée à dire oui à cette passion, dire oui à mon rêve et dire « D'accord, t'es mon bébé, je te donne à boire, je te donne à manger, je te donne mon attention, je te donne mon temps et on va voir si tu vas grandir. » Et il a grandi. Je t'encourage à faire ça. Bye bye. Youhou. On ne trouve pas la souris. Ah si.